c'est un domaine assez vaste, avec des pistes larges. Il y a trois portes d'entrée d'accès, donc le télécabine de Montjoie où on se trouve, un télécabine à un kilomètre plus loin, qui est le télécabine de la Gorge, et sur le versant Savoie, un télécabine de la Ruelle, qui est à Belleville, sur la commune d'Autluce. Hier, Jessica était en direct de Combloux pour offrir le petit-déj. Elle est cette fois en direct des Contamines pour vous offrir le ski-code. Au sommet de la glisse, avec le ski-code Radio Mont-Blanc. On entend déjà son rire. Salut Jessica. Bonjour. Et salut, bonjour. Bonjour à tous. Okay. Je suis à côté de Didier Moller sous la neige et le directeur général du domaine skiable des Contamines Montjoie. C'est tout blanc autour et on est super heureux. Excellente année Didier. Excellente année à toi aussi, à tous les auditeurs. Hein. Je crois qu'on a tout le mois de janvier pour cela, ce côté. Alors, on se trouve où, là? Là, on se trouve au départ du télécabine de Montjoie. Donc, c'est un télécabine 6 places, une des portes principales d'entrée sur le domaine skiable. Il ouvre à quelle heure? Il ouvre à 9h-10. Ok, alors, comme se veut la tradition et le ski code toutes les semaines, on présente un petit peu le domaine des Contamines Montjoie. Le domaine des Contamines Montjoie, c'est un domaine assez vaste, avec des pistes larges. Il y a trois portes d'entrée d'accès, donc le télécabine de Montjoie où on se trouve, un télécabine à un kilomètre plus loin, qui est le télécabine de la Gorge, et sur le versant Savoie, un télécabine de la Ruelle, qui est à Belleville, sur la commune d'Autluce. C'est ça, ça fait un peu la particularité des Contamines Montjoie, c'est entre Savoie et Haute-Savoie. Exactement, on est sur deux départements, une partie dans la vallée du Mont-Blanc et une partie dans la vallée du Beaufortin. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, on va vous donner dans quelques instants le ski code, hein, s'il vous inquiétez plaît. Pas. Mais oui, mais alors il faut rester bien à l'écoute. Alors en début de saison, c'était un petit peu compliqué, il y avait pas mal de stations fermées. Bon là on l'attend, elle est là, cette fameuse neige. Et du coup c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de monde aux Contamines. Alors c'est vrai que la deuxième semaine de Noël, dès qu'il s'est mis à faire beau, on a récupéré un petit peu la clientèle des stations d'à côté qui avaient des difficultés d'enneigement. Il y a eu deux grosses journées de très grosse affluence routière plutôt. Il y avait encore de la place sur le domaine, mais c'était les places de parking qui manquaient. Et ça veut dire que l'enneigement est un peu particulier ici? Alors, c'est pas qu'il neige plus qu'aux autres endroits, mais la neige reste plus longtemps. Vous la conservez bien ici, il y a une bonne équipe, c'est ça que tu veux dire? Il y a aussi une bonne équipe, non, on l'a travaillé dès fin novembre, on a commencé à la damer, à la compacter, le peu de neige qui était tombé, en prévision d'éventuellement d'un Noël difficile, et je crois qu'on a bien fait. Et là, Didier, il y a combien de neige qui tombe en ce moment encore parce qu'il continue de neiger, mais on a à peu près combien? Là, dans la station, hier soir, il est tombé à peu près 30 cm et en altitude, on doit être à 50, 60 cm. Il est tombé à peu près 1,50 m en 3-4 jours. Et puis, on en attend encore aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux donner un petit peu les conditions, là, du coup, parce que ça a quand même changé depuis ces dernières semaines? Alors là, on pourrait dire qu'on est passé à des conditions de ski exceptionnelles. Alors, effectivement, il va falloir encore un ou deux jours pour que tout le domaine skiable soit remis en route, sécurisé, qu'on puisse rebaliser, déneiger les installations, redamer comme il faut. Parce qu'avec toute cette neige, faut recommencer tous les jours. Mais on va dire que pour le week-end, ça risque d'être du ski complètement exceptionnel et incroyable. Ah, ça fait rêver. Et puis demain, il fait beau aussi. Alors, méfiat, hein, comme on dit. Alors, demain, il fait beau. Je ne sais pas si on ouvrira tout le domaine pour des raisons de sécurité. Parce que comme on ne peut pas laisser les gens partir dans toutes les pentes, si on n'est pas sûr que les usagers soient ou les skieurs soient en toute sécurité, donc on prendra la décision demain matin. Et puis vous avez des responsabilités aussi. Exactement, on est là pour que les gens passent un bon moment en toute sécurité et qu'ils en profitent un maximum du ski et du paysage. Et puis les Contamines Montjoie, c'est aussi deux beaux événements qui vont arriver très très prochainement. Oui, alors on va avoir le 2 et 3 février la Coupe du Monde de Télémark qui devait avoir lieu en janvier, mais avec les conditions d'enneigement, c'était pas possible, on a décidé de le reporter. Nancy, c'est ça, Nancy qui est juste derrière. Début janvier. Tu connais pas bien les dates, Didier, mais c'est pas grave. Oh, c'est pas... Tu connais d'autres choses. Tu sais, l'hiver, on ne sait plus quel jour on est, c'est tous les jours, c'est pareil. Donc du coup, c'est reporté? Oui, donc c'est reporté au 2 et 3 février, c'est à peu près 50-60 coureurs, un peu plus de 10 nations. Donc c'est une année sur deux entre les Contamines et Saint-Gervais, la Coupe du Monde de Télémark. Je crois qu'il y a une super ambiance. Ouais. Allez voir, c'est vraiment sympa. Oui, c'est magnifique, les athlètes sont très abordables. C'est un sport... C'est beau noble. C'est un sport noble, très beau, c'est des tracés incroyables, ça vaut le coup. Donc il va y avoir des animations aussi aux Contamines. Oh,
je suppose. Comme vous savez faire. Exactement. Et puis l'étape de la Coupe d'Europe aussi. Alors on a une après le 23, autour du 23 mars, on a une l'étape de la Coupe d'Europe de ski cross. Alors là aussi, c'est magnifique, c'est plus spectaculaire. Et surtout, on a un skieur local qui participe, qui est un ancien descendeur, Nicolas Raffort, et qui s'est reconverti au ski cross et qui a bien débuté le début de saison. Donc j'espère qu'il nous montrera de belles choses. Ah, mais ça va être magique. Donc ça, c'est un rendez-vous. Ça, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Le 16-17 ? Non, c'est le 16-17 mars. Génial ! Voilà. Eh bien, c'est super ! Oui, François ! Ça, tu vois, ce que raconte Didier Mollard à tes côtés depuis tout à l'heure sur Radio Mont-Blanc et en direct en live vidéo sur radiomontblanc.fr, c'est ce qu'on appelle un amuse-gueule. Pour nous donner envie. Ça nous donne envie d'aller skier au Contamine. Et ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'on a le ski code. Oui, tous les mercredis. Parce qu'on va vous... Alors, le ski code à donner aux auditeurs, parce qu'on va les faire rêver, mais on les a fait rêver, mais maintenant, ils vont pouvoir skier et profiter du domaine. Le ski code, tu t'en souviens ? Je m'en souviens. Corniche à chien. C'est ça, bravo Didier. On a tout ce qu'il faut, c'est super Didier. On a tout ce qu'il faut, ouais. Merci beaucoup pour ta bonne humeur, ta gentillesse. Pas de soucis, et je rappelle surtout aux skieurs, en ce moment, d'être prudent sur le hors-piste le temps que le manteau neigeux se stabilise. Ouais, oui, parce que là... Il y a de l'avalanche quand même. Justement, c'est Didier, on est sur un risque 4 hein, chez vous également, avec vous le confirmez, avec énormément de neige qui est tombée et puis surtout un sol qui avait un petit peu réchauffé. Donc vraiment, ça peut glisser très très vite quand même. Oui, ça peut glisser très très vite. Il faut attendre un petit peu que la neige se tasse. Ce matin, nos pisteurs secouristes sont en PIDA. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de résultats, c'est-à-dire pas beaucoup d'avalanches qui partent, donc c'est plutôt bon signe, mais il faut quand même rester prudent. Oui. On embrasse tous ceux, on fait un petit big up à tous ceux qui bossent depuis très très tôt ce matin, aussi les déneigeurs, etc. Ouais. Ils font tous un boulot extra. Ah oui, les dameurs, nous on a une équipe de damage exceptionnelle au Contamine, une équipe de pisteurs qui est fantastique et une équipe de remontée mécanique qui est super accueillante et super aux petits soins pour notre clientèle. Écoutez, les Contamines, c'est l'endroit où il faut venir. C'est chaleureux, c'est magnifique. Si c'est pas un bon directeur général, ça, franchement, qui encourage son équipe. Merci, c'est toujours un plaisir de t'avoir sur l'antenne de Radio Mont-Blanc. Eh bien, merci à toi, Jessica. Merci beaucoup. Merci. Didier Mollard, directeur Merci. Général du domaine skiable des Contamines. On répète une nouvelle fois, Hugo, donc le ski code de ce 18 janvier pour aller skier avec la personne de votre choix au Contamines. On l'a entendu, les conditions sont dingues. Ça va être bijou pour vous, les amis. On le répète, mais c'est la dernière fois. Hein. Ouais, c'est la Attention, dernière fois. Hein. Corniche à chien, voilà. Corniche à chien. Voilà. Et ben maintenant, vous vous inscrivez. Merci beaucoup Didier, bisous. Merci, Jessica. À bientôt. Bonne saison journée. À vous. Et les vacances scolaires commencent dans très peu de temps. Et ça, c'est de bien bon augure que l'hiver arrive. C'est une très très bonne nouvelle.